Il y a du Rafa dans la manière de se jeter au sol après la balle de match victorieuse. Dans l'ascension météorique du joueur, aussi. Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire du Master 1000 de Miami à seulement 18 ans. L'Espagnol a battu Casper Ruud en finale 7 à 5, 6 à 4. À n'en pas douter, le premier grand titre d'une immense carrière à venir. Alors que Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d'Australie et de fait seul recordman du nombre de titres du Grand Chelem, n'en finit pas de renaître à 35 ans, son successeur désigné est déjà prêt à prendre la relève.